Vous voyez pas de passant. Donc là, on est dans un temple. Il y a la gardienne des clés qui est venue nous ouvrir. Et elle nous montre toutes les peintures au mur. Il y a des peintures ici? Ouais. Ah ouais. T'éclaires un peu? Je filme. Vas-y, tout doucement. Ouais. C'est chouette. Donc on fait des petits stupolos, pas les petits. Bon, on va faire aussi deux, trois gros, mais... Nous poursuivons notre visite. Ah, Anat, c'est les esprits. Beautiful. Yes. What's the name of the temple? Kubyongye. Kubyongye. 59 Buddha inside. Ouais, c'est chouette. Tu peux éclairer avec la lampe? Ah, mais j'ai mon GSM, je peux peut-être le faire avec. Et il y en a plein en fait dans différentes positions. On n'en voit rien, mais... C'est joli, hein? Ouais. Encore des peintures. Ouais, il y a des peintures. Des peintures, hein. Tu veux ça? Non, c'est pas vrai, là. Moi, je fais des photos. Comme ça, tu peux surveiller ça, peut-être. Et vous allez peut-être pouvoir en retrouver à Bangkok des petites fontaines. Ouais, mais à Kuala Lumpur. Ou à Kuala Lumpur, on les a avec une journée. Donc. Ah, on va pas se casser. Ah non, c'est petit. Allez, pardon. Donc, c'est là où j'arrive. Parce qu'en Inde, c'est dur. Hein, bah, peut-être dans les aéroports. How many days do we have? 4 days. 4 days. Five. And yesterday we were to Mount Popa. Voilà, on sort du temple. On se retrouve dehors. Hello. Ingalaba.